Re-té les amis, votre meilleur goé de retour. Et aujourd'hui, on va aux gorges du Yosso. On s'est arrêté pour prendre notre petit anka, un petit pain à l'œuf. Et puis, on est parti. Kevin, comment tu te sens? Ça va être bien. Ça va être cool. On a grave faim. C'est notre petit déjeuner. Là, je vais vous montrer une vue. Pour moi, c'est un des plus beaux sites en dehors de Pointe-Noire. Il y a Kevin qui stresse parce que je m'approche du bord. Regardez-moi cette beauté. Ça, c'est les gorges de Diosso. J'ai dit à Marine, si y a un serpent, faut pas courir du mauvais côté. Je demande à ma soeur de me filmer. Il lui dit, j'espère qu'il n'y a pas un serpent qui va sortir. Il me dit, oh, faut pas courir du mauvais côté. Je lui dis, de quel côté? Oh, de ce côté. On avait peur des serpents, mais do it for YouTube. On est quand même venu. Et comme d'hab, je suis en sandales. Je sais pas pourquoi je fais toujours la même erreur. Mais franchement, c'est trop beau. C'est vraiment une belle vue, quoi. Ah, par contre, j'ai le vertige. Kevin, tu vas pas t'approcher plus que ça? Laisse-moi. Ne t'approche pas comme ça. Ça va, Marie. Je vais te dépasser et filmer là-bas. Et sans aller trop loin. Il me stresse. Visite seulement le paysage, il y a des papillons, attention les matitis. Aujourd'hui il y a beaucoup de matitis,
C'est, ça fait de beaux paysages, mais bon, moi j'ai un peu peur qu'un serpent sorte de nulle part là, donc je vais pas trop traîner. Mais en tout cas, la vue est magnifique. Kevin, tu aimes la vue ? À bon fond. Let's go. Kevin a le vertige. J'ai pas le vertige. T'as pas le vertige ? Non, c'est juste que j'aime pas voir les gens s'approcher trop près des bords. Non, c'est clair qu'il faut pas trop s'approcher. Mais je trouve que je suis pas trop proche là. Regardez-le avec son short fluo là. Donc normalement, si vous venez ici, vous avez le choix entre faire comme nous et observer la vue depuis en haut comme ça. Vous pouvez également prendre un guide et il vous emmènera carrément à l'intérieur des gorges. C'est quelque chose que j'ai jamais fait d'ailleurs. J'aimerais bien le faire un jour et soi-disant, hein, les prix qu'on nous a donné aujourd'hui, c'est 7500. Ça doit sûrement varier selon la personne, mais voilà, c'est une option en tout cas si vous voulez visiter les gorges. C'est vraiment très beau, ça rappelle un peu le Grand Canyon. Et ici, il y a beaucoup de végétation en plus, donc ça donne vraiment très beau paysage. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais tout au fond, là, on voit la mer, donc c'est vraiment, vraiment une belle vue qu'on a depuis ici. Franchement, c'est magnifique. Non, vraiment, pour de vrai, c'est magnifique. C'est juste bon. Que c'est... Putain, ça fout de la trouille, mais c'est magnifique. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas trop s'aventurer. Vas-y, mets-toi là pour la photo, s'il te plaît. Ah, mon Dieu! Il faut aimer l'aventure. Oui, mais... faut pas aimer la mort, mais tenter la mort comme ça non plus. Bon, vas-y, tu veux te mettre où pour ta photo? Prends-moi de dos, je ne mettrai pas de dos face au truc-là, c'est mort. Tu restes là. Voilà, c'est le plus. C'est le plus facile, je mange. Donne-moi la bouteille d'eau maillot, s'il te plaît. Vraiment. Manekina, ça c'est quoi? Ça c'est un moustique mutant. Ne venez pas en short. Ne mettez pas des shorts sexy comme le short de Kevin. Il y a des moustiques. Sur la route pour aller aux gorges du Diosso, vous verrez qu'il y a une énorme forêt d'eucalyptus. C'est magnifique. Donc on s'est arrêté un petit peu pour faire un petit photoshoot là. C'est un très beau panorama. Bon allez, la visite est terminée les amis. Donc ma tondo mingi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures les amis.